Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur News Daily. Sous passer la première fois, pas oublier avant aller songer faire geste pour peser bouton subscribe pour capable de connecter ensemble avec nous. Nous venons parler là de élections, particulièrement des membres de la communauté haïtienne qui n'ont bataille pour yo, soit pour yo prendre place mais pour yo conserver place yo. Et dans Floride particulièrement dans zone Miami, nous connaissons communauté. On dit Miami, vous dites Miami ouais, chargé haïtien, mais pas oublier gagne pile cubain tout. Son véritable bataille pour haïtien yo. Et représenté dans différents areas et bataille là en fait pas bien dans mois d'août et 23 août là gagne élection qui va le faire pour Floride pour plusieurs postes et bien pour nous connaissons Jean-Baptiste la fête gagne primaire d'abord et puis élection générale c'est pour novembre. Nous parlons pas de un course là lui même que le plus souvent compétition ça pas quand gagne trop discussion c'est pour juge. Je voulais rappeler que juge yo y a l'élection pas bon ici. C'est important pour comprendre. Juge au niveau de state yo y a l'élection normalement. Et nous gagnons là nous gagnons sous bord droite nous là nous gagnons juge Fred Séraphin. Juge Fred Séraphin qui n'en course pour garder place li comme juge. Mais ça passe dans quatre courses ça nous bien dit élection pour juge pas qu'on gagne trop voyer monter ou n'a shooter sous l'autre généralement toujours croyait mais dans cas spécifique ça en pile causé parler surtout pour sale Fred Séraphin. OK et nous bien dit son bac du silencieux et étant donné que élection joue élection a avancé parce que c'est pas en novembre la fête les mêmes sûrement je crois c'est 23 août cap vin là. Juge Fred Séraphin et gain challenger là c'est Rainer Jazz de la Portia. Rainer Jazz de la Portia c'est lui-même qui devait prendre place là. Gain des leaders haïtiens ou américains hier lundi a été fait une conférence de presse. Justement, il voulait dénoncer et une campagne qu'a fait qui malhonnête. C'est même là qu'a fait réclame mais gain des séries de bagarre publiées qui viole les règles d'éthique. Qui ça a fait? En fait, équipe Jazz a bien qu'elle dit pas lui-même, mais c'est équipe lui. Il a publié un flyer qui a un téléphone juge là. Et dans flyer ça, il a fait connaître que juge Séraphin a caché arrestation record. Il a présenté M. Tancon Bandi et qui n'a démêlé avec la justice et que lui. Alors terme son nèg en fait, il présenter le bandit ou nèg qui tira les armes qui te volé avec azam. C'est comme ça vous privé présenter monsieur. Libye haïtien ou dit pas grand aucun espace pour nous créer et sentiment de haine des informations qui pas aucun rapport avec fait et pour n'a voyer monter sous des candidats, c'est des choses et malhonnête en pile l'idée à défendre monsieur. Mais bien d'où là, n'est-ce pas, en parlant de Jazz, de la Portia, monsieur, je prends distance li de Flyers, ça. Et mais elle dit, c'est frère, et qui a un comité politique, qui a voué réclame ça, et voué au bail différents citoyens. Et donc, je pense que, effectivement, là, s'il est vrai qu'on a fait campagne, mais yo franchi une limite là. Maintenant, Jean Doulia, contrairement avec campagne ça qui compte silencieux, gagne pile tout ya k'ap voye là. Dans cadre et Fred. Il a fait, il va dans course pour County groupe 5. OK? Challenger là, Jazz qui c'est un ancien school board qui te travaille comme avocat dans secteur privé. Qui était un Miami Dade assistant public defender, c'est CV monsieur. La fait troisième fois monsieur pour aller dans l'élection. Ça dit son est cap chercher pour voir longtemps. Son est cap chercher pour voir longtemps, il pas vrai vague. Séraphin lui-même histoire pali et Jean-Doula son haïtiano américain, c'est un ancien assistant public defender tout dans Miami Dade. Qui était venu juge depuis l'année 2001. Et ça pour comprendre, ça a parlé de Séraphin, c'est pour un bagage qui est secret.
OK? Essayez à faire pas de jambe cacher, lui parler de lui. OK? Et yo t'ai accusé monsieur en fait parce que c'est noir le tayé, on va qui t'ai fait, il toujours a dit ça. OK? Sous des allégations comme quoi il t'a volé. Puis t'es passé une nuit en prison. Et effectivement, l'aller la justice li arrivé et clear non li sous causer ça. Donc en fait, concernant arrestation du juge là en 2001, justement, c'est une accusation fausse à cause de couleur poli parce que c'était grand pile monde, c'est monsieur qui était noir et monsieur qui était picoute. OK. So, c'est un case de discrimination tout simplement que il a retourné là et qui était clair déjà par devant la justice, c'est pas mal qui caché. Et a utilisé pour faire connaître que le juge là a effacé ça dans le dossier judiciaire. Vous comprenez? C'est ça parler dans flyers là. Et dans flyers ça, il dit ou oh, est-ce qu'il y a un monde qui a arrêté qui a volé avec exam ta supposé juge. Comme quoi Séraphin va voler bail. Record d'arrestation. Yamdoula, yon mette téléphone, yon formation privée, yon mande moun pour relèl, pour vin nettoyer non. Ok? Yon pile leader, nan Miami Dade, kap supporte justement et Séraphin nan bataille sa, et gen un groupe justement qui relè, et yon relè justement Jas la justice. Bien que monsieur dit, fwè mnan gen tout droit en tant que citoyen, pour le faire salver, OK? Et il a même metté un second flyer encore. OK? Donc Séraphin son nèg qui était victime de profiling, de discrimination. C'est ça lié. Donc c'est vraiment et violer les règles d'éthique pour bail menti pour présenter nèg là tant qu'on volait tant qu'on bandit que d'arrêter. Donc meilleure situation là et maintenant, faut nous dire que l'histoire Séraphin, c'est un nèg qui est sauvé qui était pays d'Haïti puisque sous Duvalier et il était touillé papal. François Papadoc était touillé papal. Vous comprenez? Et il dit ça a fait là, c'est même c'est comme si c'était son régime Fidel Castro ou bien Papadoc. Depuis le gouvernement du coupable, il a accusé ou. OK? Et comme quoi ou c'est coupable vrai. OK? Et maintenant tension li vraiment escalé. Deux candidats ont paraît dans lunchroom semaine dernière qui te gagne pas oublier que me cubain au fort. Donc et avait dit Séraphin justement, li parler pour communauté cubaine. Li dit celle ça le connaît dans jazz, c'est pas le fait celle ça le connaît qui bon, va connaître des monsieur. Celle ça connaît qui positif parce que monsieur sont cubain. Monsieur fâché peut-être ça. Donc son croissant vous dit monsieur jazz ça pas grand de positif, c'est nationalité et cubaine qui c'est une bonne nationalité qu'il portait simplement jazz qui est estomaqué peut-être et déclaration mais c'est afin de me pas connaître le vrai celle ça me connaît de lui c'est que qu'elle soit cubain et moi gagne en pile respect et admiration pour tout cubain babay menti me pas connaître le vrai ça le dit donc gagne avocat J Planas justement qui relaye jazz la justice et parce que il dit lui bay menti sou yon membre de pouvoir judiciaire là. Li viole sa n'a rele règlement de Florida Bar Association qui interdit yon avocat pour faire sa n'a rele des déclarations fausses et malicieuses contre yon juge en fonction. Et gon l'autre complainte konsa tout yon te fait bay yon l'autre avocat et qui li même ta utilisé non Marie li et li même tout li et dans l'élection contre un autre juge haïtien qui c'est Lodi Jean. Donc nous voulons dire Lodi Jean et Séraphin c'est deux haïtiens qui pour aller dans l'élection pour déjà dans poste là et pour kembe poste ça et ouais gon attaque sérieux et en plus le monde ça utiliser le fait que on est en espagnol comme quoi c'est spanish oui parce que faut nous comprendre que communauté hispanique là dans Miami il très fort donc tu as utilisé. Non, il y a même un candidat même qui même changer non pour le capable faire non en plus spanish chance pour être capable battre et en deuxième pour l'améliorer chance pour être capable battre haïtien ça. Donc voilà, nous vinn présenter là
qui j'en course la très serré et pour deux haïtiens ça nous voulons parler de l'Odijan et de Séraphin qui dans bataille là pour capable kembe posio comme juge justement et dans Miami. Donc nous te voulons et présenter nous voulons rappeler tout qu'effectivement nous dans période électorale et que moi doute là il y a une élection qui a fait, il y a une primaire qui a fait, mais il y a une qui a fait élection pour de bon pour d'autres positions. Et que rendez-vous, c'est vrai, nous avons 100 jours, 100 jours pour entrer dans novembre. La bataille là, très serrée, que ce soit au niveau state, que ce soit tout au niveau de fédéral, pour nous faire différence. On a parlé de ce qu'a fait au niveau de state, Florida, des postes que des Haïtiens ont bataillé pour Kembe. Parce que les Haïtiens, nous voulons dire qu'effectivement, et yo, surtout en Florida, ils ont commencé à faire non, ils ont plusieurs courses électorales. Et donc, c'est comme ça la situation. Et mais faut dire pour fédéral, nous pas gagne monde son sel nous gagne te parler déjà et qui en dame zari là en conscience là ici hein et qui comme candidat député pour fédéral en novembre. Donc nous te dit veut pas veut pas haïtien mobilisé justement pour al bali bakop et une élection primaire qui pourra le faire. So donc voilà guys et nous te voulons présenter situation pour capable connaître janvier. C'était un véritable plaisir.